Coucou les filles. Oui, ben, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est journée course, pas journée. Enfin là on est fin d'après-midi et on est passé vers Bricot Dépôt pour prendre ce paquet de café les filles. Il fait 6 euros et quelques. Ils sont mais super bons franchement. Et j'en prends pour le boulot aussi, j'en prends parce qu'il y a le paquet, il y a son dosette. Et puis j'ai pris cet appareil de Panini, il fait 12,98 €. Il est super bien, donc je vais l'essayer ce soir. J'en avais pas en plus, donc c'est un grill à viande. Voilà, grill pour un à deux personnes, il est tout petit. Attendez, il est où? Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est un pareil à gaufres, il est là. C'est lui. Oups, voilà. Donc il est tout simple hein, pour faire des tacos, des panini, pour griller de la viande. Et voilà les filles, on fait un petit tour et puis on va y aller faire les courses à Géant. J'ai laissé la petite chez ma mamounette. Et voilà les filles, on va voir ce qu'il y a. Il y a pas mal de petites choses. J'ai perdu mon mari, je sais pas où il est. Il est où? Il est là. Franchement, les filles, des fois, vous trouvez pas mal de choses. C'est Electro Dépôt. Je sais pas pourquoi je l'appelle Bricot Dépôt. C'est Electro Dépôt. Il y a tout ce que vous voulez, franchement. Et les prix, franchement, c'est abordable, comment on va dire. Il y a de la vaisselle, il y a de tout. Voilà les filles, je vous retrouve tout à l'heure. Là les filles, on vient de rentrer, donc je vais partager avec vous mes courses. Et si vous entendez du bruit, je suis en train de préparer à manger. Donc ce soir, on va faire des tacos maison. Je suis en train de faire cuire l'escalope et les frites, voilà. Et j'ai pris ça pour préparer les tacos. Donc c'est spécial kebab. Voilà. Donc on a installé l'appareil. Alors les filles, pour ce qui concerne les courses. Hop. Donc j'ai pris ces feuilles de briques. Je vais faire des feuilles de briques, mais dans la semaine. En fait, si vous voulez, quand je passe dans les rayons, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je me dis, ah, telle recette, je vais faire tel jour. Et du coup, je sais les occasions que j'ai besoin. Du coup, je les prends. Voilà, donc j'ai pris ces feuilles de briques. Elles sont super bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette bouteille de jus exotique de chez Casino. Schweppes agrumes, voilà. J'ai pris une barquette de crevettes, voilà. J'ai pris du blanc de poulet et du blanc d'Inde. Il y avait une promo sur le fromage, le camembert, donc j'en ai pris deux. J'ai pris de la maïzena pour faire des gâteaux, j'en avais besoin. J'ai pris des spaghettis et j'ai pris deux trois pâtes, mais on n'a pas monté tous les courses. Ils sont encore dans la voiture. J'ai pris du cachir. Du thym naturel, j'ai pris de la salade pour le tacos et des tomates pour garnir. Qu'est-ce qui reste dans la voiture? Ben, il reste de l'eau, du lait et je crois que c'est tout. Voilà,
Si j'ai mis dans le frigo, on a pris des yaourts. Et dans le congélateur, j'ai déjà, comme il faut les mettre au congélateur, je les ai déjà mis. Donc j'ai pris du chou-fleur, du brocoli. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Haricots verts. Et puis voilà les filles, je pense que c'est tout. Je vais voir les frites et moi l'escalope et je reviens. Alors les filles, on continue avec les courses. Donc là, on a pris deux jus de fruits, donc de chez Casino Multifruits. J'ai pris du riz basmati. Celui-ci, il est super bien, les filles, franchement. On a pris ces dosettes-là, comme je vous ai montré à Brico Dépôt. Electro Dépôt. Pourquoi je dis Brico Dépôt? Electro Dépôt. Voilà, les filles. Et il y a plusieurs goûts. Moi, j'ai pris classique, il y a corsé. Et le troisième, je ne me rappelle plus. Alors, on a pris ces gâteaux-là. Donc, c'est un lot de 6. Des œufs. Les pâtes. Un paquet de chips de 6. Des petits pois. Du sucre en poudre. J'ai pris du fromage. Nosora, elle adore le fromage comme ça, elle le mange comme ça. On a pris deux déodorants pour mon mari. Un lot de 2, Axe. J'ai pris de la sauce tomate, les filles, c'est de la purée de tomate. J'en ai pris 2. J'ai pris des haricots blancs. Des lentilles, des noix de cajou pour grignoter, le yaourt nature Danone. Ensuite, mon mari, il a pris les cacahuètes grillées à sec. Lui, il aime bien cela. J'ai pris du cacao. Nesquik. J'ai pris des lingettes comme la dernière fois. Un lot de 4. J'ai pris des céréales, les filles. Je vais essayer pour Nourzora de lui donner le matin. Donc j'ai pris un paquet de 6. Donc il y a différents céréales. Je vais essayer, je vais voir. Je vais voir est-ce que ça va marcher ou pas. Parce que c'est vrai que le matin pour le petit déjeuner, elle prend un biberon de lait et elle demande un gâteau avec une compote. Des fois un fruit, en fait ça dépend. Du coup j'essaye de lui donner, de changer, comme ça elle mange de tout. Les filles, j'ai pris cette crème légère, semi-épaisse. J'ai pris ça pour moi, les filles. Donc, c'est un muesli croustillant aux 3 chocolats. Franchement, les filles, le matin, quand j'ai ça, je prends que ça avec dans un bol de lait. Et je tiens presque, je mange même pas un midi après parce que ça... Comme on dit, ça bourre l'estomac. J'ai pris ces pâtes. Le sang naturel, j'en ai pris 2. Alors, le deuxième juste. Voilà. Pour faire les salades, même pour le manger comme ça.
Et c'est la jette. Carolin ultra dégraissante. Oui, maman. Donc, citron. Et puis, on termine par ce déodorisant, pardon. Oui, maman. Glace. Donc, Glad. C'est ça, hein? C'est Glad. J'en ai testé les filles plein. Je vais tester, puis je vais voir qu'est-ce que je vous en parlerai. C'est la première fois que je prends cette marque. Voilà. Et voilà les filles, je pense que j'ai rien oublié. C'est tout pour ma liste de courses. Si je vous fais. On a pris les légumes et les fruits. Par contre, je ne les prends jamais dans les centres commerciaux. Je les prends tout le temps. On a un magasin turc qui vend des fruits et des légumes tout frais et pas cher, et c'est un délice les filles, franchement. Maintenant on n'achète que chez lui fruits et légumes. Voilà, donc là j'ai des poivrons, voilà, des poivrons, j'ai des bananes. Banane, orange. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des pommes. Parce que mon mari, quand il va au travail, il aime bien prendre une pomme avec lui. Comme ça, quand il a pris une petite faim, ben, il prend, il mange. Là, j'ai des carottes, des courgettes. Pour terminer, il m'a ramené des olives. Les olives, les filles, c'est une tuerie. Voilà les filles, c'est tout pour ma liste de courses, pardon. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà les filles, notre tacos, il est prêt. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.